Salut à tous, c'est Lidounex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai reçu un colis de Gurudem Beru. Donc si vous savez pas qui c'est Gurudem Beru, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description et le lien de sa chaîne YouTube ici ou par là, quelque part, je sais plus, dans le petit. Donc voilà, il m'a envoyé un petit colis. Mais avant d'ouvrir ce petit colis, je voulais tout simplement vous dire que si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Tipeee, Instagram dans la description, bien évidemment. Et je vous annonce aussi que face au confinement que nous avons tous à l'heure actuelle à cause du coronavirus, je tenais à vous dire que voilà, j'allais sortir 2 vidéos par semaine et non pas une. Donc vous allez avoir une vidéo le mercredi soir à 17h et le samedi soir à 17h. Je vous tenais à vous faire un peu plus de contenu, tout simplement du fait que comme on est confiné, en fait, vous devez rester chez vous et il faut bien que vous vous occupiez. Donc voilà, je tiens à participer à votre occupation et à vous proposer du contenu. En tout cas, on se retrouve pour ce déballage. Donc je sais déjà exactement ce qu'il y a dedans. En tout cas, je l'ai ouvert juste pour vérifier, mais j'ai pas regardé en détail ce qu'il y avait dedans. Ouvrons tout de suite ce colis. Donc c'est un Bakugan, bien évidemment. Hop. Donc voici. Donc Gurudem nous a laissé un petit mot et ses stickers. Donc on va enlever tout ça. Donc le stickers Berry Bay Club. Donc voici un stickers assez sympa. Je le trouve vraiment très très joli. On va le laisser de côté. Ainsi que les stickers de son logo. Et bah écoute Gurudem, sur mon override que je viens de fabriquer et que t'as vu sur le groupe sur lequel on est tous les deux, je vais les coller, comme ça, ça fera une petite déco sur mon override. Ça vous fera un petit, ça me fera une petite décoration de ta part. Tu m'as laissé aussi un petit message, donc voilà, un petit message qui me dit un petit cadeau, tout simplement pour le plaisir du partage et de l'entraide. Donc merci énormément à toi, ça fait super plaisir. Hop, on va mettre ça de côté. Et voici le Bakugan qui m'a envoyé. Il s'agit ni plus ni moins que d'un Pegatrix EOS Diamond. Donc voilà, je tiens vraiment à te remercier, mais un grand, grand, grand merci. Parce que grâce à toi, j'ai enfin mon tout premier, mais mon tout premier Diamond. Voilà, j'en ai pas d'autres. J'en ai ici, d'ailleurs. On peut... Oh ! Calme. On peut voir juste ici que c'est le Pegatrix Aquos que j'avais déballé dans ma précédente vidéo déballage. Donc voici. Donc là, il m'a envoyé ce Pegatrix Diamond et on va tout de suite l'ouvrir. Donc, comme d'habitude, au niveau des Bakugan Ultra, sur la face avant, on n'a pas grand-chose. Sur la face arrière, c'est pareil, le Fan Hub, donc l'application Bakugan. Bakugan.com, donc le site internet. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le site internet de Bakugan. Il y a vraiment des wallpapers assez sympas. Il y a aussi toutes les informations sur la série. Ce que j'ai regardé, voilà, les 56 premiers épisodes de la série. Et franchement, je la trouve vraiment très très classe. Même si mon cœur est plus tourné vers la première saison de Bakugan Battle Brawler, ça restera mon coup de cœur de toujours. Donc, on ouvre ce Bakugan. Hop, donc nous avons en premier lieu les cartes, les Bakugor qui sont juste ici, les cartes, les notices hein, pour comme d'habitude pour changer, et le Bakugan, le Pegatrix Diamond. Donc comme d'habitude hein, nous avons les notices. Bon, les notices on s'en fout un petit peu, là c'est les règles du jeu. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Storm si vous voulez connaître les règles du jeu, franchement il explique super bien. Ensuite, nous avons le petit poster qui nous explique comment refermer ce Pegatrix Diamond. Donc, je vous le fais voir d'un peu plus près, d'en haut. Ainsi que la liste de tous les Bakugan. Donc, voici la liste de tous les Bakugan qui sont présents de Bakugan Battle Planet. En tout cas, ceux des premières vagues, pas d'Amored Alliance. Je ne sais pas quand est-ce que sortira Amored Alliance en France. On va laisser le Pegatrix de côté. On va voir ce qu'il y a comme carte avec ce Diamond. Donc au niveau des cartes, d'ailleurs, d'accord, elles sont placées comme ça. Donc en tout premier lieu, nous avons la carte Pegatrix Ultra, qui est franchement très très belle. Je la trouve vraiment magnifique, cette carte Pegatrix Ultra. Donc Pegatrix Ultra qui se joue avec un bouclier, il y a un Bakugor, pardon, bouclier et bouclier magique. Donc voilà, Bakugan, vraiment très très chouette, je la trouve vraiment très classe. Je sais pas si vous allez bien voir au-dessus, mais la carte, je la trouve vraiment très très chouette. Donc celle-ci, la française, on va prendre la carte qui est en français. Et voici pour la carte évolution de ce Pegatrix Ultra. Et franchement, elle est vraiment magnifique avec ce Pegatrix, avec les ailes et le corps un peu transparent du fait des diamonds. Donc on peut le voir qu'il a besoin de 5 d'énergie à 10 de strike et 1000 de B-Power. Alors je sais pas si c'est énorme 1000 de B-Power, mais en tout cas 4 chiffres, cool. Voilà, c'est la logique, 4 chiffres, cool. 3 chiffres, bien mais un peu moins cool.
c'est une logique un peu à la con. C'est ma logique à moi, c'est débile. Donc voici pour cette carte, elle est vraiment magnifique. Et la carte dit, s'il y a moins de 2 Bakugan attachés à ce Bakugan, plus 100 de P-Power. Je suppose que attaché à ce Bakugan, du fait qu'il peut les attraper, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voici pour cette carte, et elle est vraiment magnifique. Et au niveau des Bakugan, donc bien évidemment, comme ce Bakugan se joue avec un Bakugan bouclier magique et un Bakugan bouclier classique, nous avons ces deux Bakugan qui sont présents. Donc le premier Bakugan bouclier, il donne plus 250 de B-Power. Je suppose que c'est bien. Franchement, je sais pas du tout. Je suis tout juste en train d'apprendre les règles, donc je sais pas vraiment comment se jouent les Bakugan. Comment on joue à Bakugan Battle Planet, tout simplement. Et pour le deuxième Bakugan, nous avons un Bakugan qui donne plus 650 de B-Power. Et franchement, il est juste magnifique. Donc on va placer ces Bakugan juste ici. Donc là, deux Bakugan pour lancer ce Pegatrix Ultra. On va essayer. Hop. Et donc voici pour ce Pegatrix Ultra Diamond. Et franchement, il est magnifique. Regardez-moi ce niveau de détail. Il est vraiment très très classe. Donc on va le refermer. Alors si je me rappelle par rapport au précédent. Oui. Et voici ce qui donne en version sphérique. Donc j'espère que vous allez bien le voir là-haut. Le voici, il est franchement très très classe. Je le trouve vraiment magnifique, ce Pegatrix. Il est vraiment très stylé. Et en jeu, ça donne... Donc bon, un loupé. Mais donc le voici. Et donc comparé au Pegatrix et Os... non, Pegatrix Aquos, pardon. Donc la petite flèche, la petite flèche, la petite flèche, la petite flèche... Hop, donc les voici. Et regardez, il n'y a pas photo, ce Diamond, il est vraiment très 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 classe. Donc, je sais pas si vous allez bien le voir là-haut. Hein. Regardez-moi ce Diamond, il est vraiment très chouette. Là, on peut voir qu'il a une puissance de 300 de B-Power, comparé aux 600 du Pegatrix Ultra Aquos que j'avais déballé précédemment. Bon, celui-ci a 300, alors, je sais pas si c'est bien. J'espère en tout cas, mais en tout cas avec la carte Evolution, ça lui donne plus 1000 de B-Power s'il attache 2 Bakugan. Alors à m'expliquer comment un Bakugan Ultra peut attacher 2 Bakugan, ça je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voici pour ce Pegatrix Ultra, et ce, il est franchement magnifique. Alors on va essayer de déplier sa corne, et donc le voici. Il est franchement magnifique. Et donc, on va le remettre en version sphérique, histoire de le lancer un dernier coup et essayer d'arriver à faire un beau lancer. Et voici, il s'est ouvert parfaitement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, donc on va rapprocher un peu les Bakugan, on va refaire. Donc hein, les Bakugan Ultra, une fois que vous avez pris la main pour les fermer, hein, ça va tout seul. C'est franchement, c'est moins compliqué qu'au début. Parce qu'au début, on galère un peu à les fermer. Une fois qu'on a pris la main, vous voyez. Et voici, il est magnifique. Et je te remercie énormément, Gurudem. Parce que, ou Beru, n'importe. Tu me diras hein, dans la description ou sur le groupe. Hein, tu préfères qu'on t'appelle Gurudem, Beru. À toi de me dire, je sais pas trop dans quel sens t'appeler, donc. Mais en tout cas, merci franchement, mais énormément à toi de m'avoir envoyé ce Pegatrix Ultra Diamond, parce que c'est mon premier Diamond, et franchement, il est magnifique. J'adore Pegatrix, je la trouve vraiment magnifique, et franchement, je suis tellement content que tu m'offres ce Bakugan, et ça charge. Oh! C'est à charge de revanche parce que je t'offrirai moi aussi un Bakugan ou une toupie. Parce que la chaîne de Gurudem Beru n'est pas axée Bakugan mais axée toupie, donc toupie Beyblade. Et franchement, allez voir ce qu'il fait parce qu'il fait vraiment un taf mais merveilleux. Franchement, c'est carré, c'est propre, c'est magnifique. Donc allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment du super super taf. Et franchement, je l'envie de savoir faire ça au montage parce que c'est vraiment trop bien ce qu'il fait et je trouve ça vraiment magnifique. Donc dernier lancé pour ce Pegatrix. Si on le loupe pas. Non. Et voici, il est franchement magnifique. Et on peut voir que le Bakugan, quand il se déplie, il se met derrière sa tête. Donc voici pour ce Pegatrix Ultra Diamond. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été super heureux de déballer ce Bakugan parce que franchement, il est vraiment, mais vraiment magnifique.
Donc je suis vraiment très très heureux. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme je l'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Mon Tipeee, mon Instagram, comme d'habitude, sont dans la description. D'ailleurs, allez voir mon Instagram parce que je vous ai mis des photos de comment j'ai fait, en tout cas comment est la nouvelle structure que je me suis faite pour mes vidéos. Il était censé y avoir une vidéo, j'ai eu un gros souci avec la caméra qui me filme juste au-dessus de moi. Elle a pas voulu prendre les séquences vidéo, donc bravo. Voilà, je suis dégoûté. Est-ce que je voulais vous présenter ce overhand rig? Donc voilà, c'est comme ça qu'on appelle ce système, un overhand rig qui coûte en soi très cher et que là j'ai pu fabriquer moi-même. Donc il est vraiment très très classe et je suis plutôt assez fier de moi. J'ai un petit peu de modestie, hein, mais voilà, franchement je suis super content. Donc si elle vous a plu, en tout cas si la vidéo vous a plu, faites comme je vous ai dit. Si vous le faites pas, bah voilà, ça me dérange pas trop. Bah si, ça me dérange un peu en fait, parce que j'aimerais bien que vous vous abonniez un petit peu. Ça serait gentil de votre part de vous abonner. Et abonnez-vous aussi à la chaîne de Guru Denberu, ce qui fait vraiment un taf de malade. Et allez-y, allez voir sa vidéo. En tout cas, moi je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. C'était Livnex, salut tout le monde.